Bonjour, bonjour les gars, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Bon les gars, avant de commencer la vidéo, j'ai envie de faire un nouveau concours de 2 millions de karma à gagner sur le serveur Telesia à la place de 1 million. Donc forcément, ça sera 60 likes à la place de 30 likes. Franchement les gars, 60 likes c'est pas beaucoup. On peut le faire facilement et tu peux gagner 2 millions de karma. Franchement les gars, un abonnement d'une semaine, il te reste genre 1 million 3 1 million 2. Franchement très très bonne affaire. Donc pour participer, c'est super simple, abonne-toi sur la chaîne, likez la vidéo et mettez votre nom de votre personnage dans les commentaires les gars. Comme d'habitude, on change rien, sauf tu peux gagner 2 millions de karma à la place de 1 million. Donc voilà. Allez, maintenant on passe au astuce karma. Ça dépend de peut-être de brisage, peut-être. Allez, on se retrouve. Bonsoir l'équipe, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur Draconeros. Bon les gars, j'ai connecté déjà, j'ai changé les prix et on a vendu pas mal de trucs. J'ai les screens, heureusement. Donc on va commencer directement les gars par les screens. On a le premier screen à presque 600 000 karma. On a vendu bottes du Minotaur. Bouture les gars, les bottes niveau je crois 60 ou je ne sais pas quoi. On a ceinture du Minotaur 1, 2, 3, 4. Bloc Indigo Royal plus je crois c'était les amulettes de la boule. Je suis pas sûr mais normalement c'est ça. Voilà les gars, on a pour 1 million 6. Putain les gars, 1 million 6. Regardez, on a vendu une ceinture du moule les gars. À combien? À 600 000 karma. On a vendu beau du Minotaur. J'ai tout vendu les gars. Des ceintures de la Manda. J'ai tout vendu. Pareillement les gars. Tout vendu, il ne me restait rien en HDV. Les autres c'était les amulettes de la boule les gars. Si je dis pas de bêtises. Et pour la dernière screen, on a pour 750 000 karma, encore ceinture de la Manda, les gars. 1, 2, 3, 4. Et les amulettes de la boule plus, je crois, les gars, si je dis pas de bêtises, les alliances, c'est les mêmes. Il me restait en inventaire, les gars, j'ai tué en HDV, donc je crois j'ai tout vendu, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr. De toute façon, on va checker l'HDV tout de suite. Donc voilà les gars, pour l'épreuve de vente, on devrait être à 3 millions les gars. Un truc comme ça. Pour commencer, on va checker les hôtels de vente. Bon les gars, aujourd'hui, j'ai pas dé. On va faire du brisage. On va clairement faire du brisage. Attendez, je vous le dis tout de suite. On va faire du brisage. J'ai envie de OP les gars, le métier forgeron. Pourquoi? Puisque il y a les dagues. C'est quoi là? Les dagues les gars qui donnent 2 PA. J'ai oublié, ça part comme le pain. En tout cas ça part super bien sur le serveur Telesia. Je pense les gars ça part dans tous les serveurs sans aucun problème. Dague de drague, voilà les gars, les dagues de drague, c'est niveau 128, donc on est niveau presque 60, donc voilà, on va OP je crois dans cette vidéo jusqu'à niveau 100, on va faire du brisage, je vais crafter les items jusqu'à niveau 100, après on attaque les gars, la fin, bon, c'est pas sur cette vidéo les gars, sinon ça sera super long, donc dans cette vidéo on va faire du brisage, pardon. Donc voilà, il me restait quoi? Il me restait pas grand chose les gars. Il me restait une ceinture du moulou. Et c'est tout les gars. Les alliances et les mâles, j'ai tout vendu. Il me restait ceinture du Minotaur. J'ai super la flemme les gars de changer les prix hein. J'ai super la flemme. Bon je crois c'est le prix correct hein. 47 000 kama je crois c'est le prix. Donc je vais laisser ça comme ça. Il me restait 1 million 3. Donc on va récupérer les karma en banque les gars avec vous. Comme ça on peut voir clairement combien j'ai des karma les gars. Je ne sais pas combien de karma on a. On va voir tout de suite. Ça lag un petit peu les gars, désolé. Allez. Donc comme je disais les gars, on devrait être à 3 millions. Allez, j'espère bien. J'espère bien à 3 millions.
Ah, même pas les gars, même pas. Ah, on a 80 000 quand même. Ok. On est à 3 millions les gars, oui, à 3 millions. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, ça fait vraiment plaisir les gars, à 3 millions. J'ai commencé à 0 kama les gars, vraiment 0 kama. J'avais 0 métier, rien du tout les gars. Regardez mes métiers. Donc comme je disais les gars, on va faire du brisage. Je vais crafter les items les gars jusqu'à niveau 100 à peu près, un truc comme ça. Sinon ce sera un petit peu trop long je crois. Jusqu'à niveau 100, donc chaque item les gars, je hop un niveau. Non, ce sera super long hein. Ce sera super long. Bon les gars, je vais crafter les items et après on verra. Donc je n'ai 3 millions, je vais crafter quelques items pardon pour les brisages et on se retrouve juste après. Bon les gars, donc voilà, j'ai acheté quelques items, enfin j'ai acheté les ressources pour crafter quelques items. On va d'abord checker combien de niveaux on va hopper. Après je re-acheter des ressources pour recrafter des items, tu vois. Donc j'ai acheté pour crafter genre 4 items. On va voir d'abord combien de niveaux on va prendre. Forgeron. Déjà les gars, on a dépensé 300 000, 320 000 kama déjà les gars. 320 000 kama. On va crafter seulement 4 items les gars pour 300. Par contre on va crafter 10. Genre j'ai acheté des ressources pour crafter 50 items. Je ne sais plus c'est quoi. De toute façon on va voir. Attendez 2 secondes. Allez allez allez. Ça lag un petit peu les gars comme d'habitude. Pardonnez-moi. On va crafter celle-là. On va hopper niveau 60, ça c'est sûr. J'ai crafté seulement une les gars, puisque ça coûte cher, je crois. Ça coûte genre 20 000 kama. Ok, on va crafter 10 celle-là. Ok. Donc on était niveau 59 les gars. On était niveau 59. Je vais crafter 50 celle-là. Voilà les gars, pelle, machab, je ne sais pas quoi. 50, ça coûte pas cher. J'ai crafté des 50 pour 150 000 à moi. On est niveau 81. Parfait, parfait les gars. On va encore hopper un niveau. Si je dis pas de bêtises. On gagne un peu de potes, ça fait plaisir. Donc on est niveau combien? Niveau 82. Voilà les gars, 82, presque 83. Donc j'ai crafté 4 items. On va encore crafter des items les gars. On va juste checker quel item on va crafter. Pourquoi pas, franchement pourquoi pas, si ça coûte pas cher. 2000, 3000. On a 5 000 gros grand max. Bon les gars, je vais stopper la vidéo, sinon ça sera trop trop long. Je vais voir les items que je vais crafter et on se retrouve juste après. Re les gars, donc voilà, c'est fait pour les autres crafts. Bon allez, on va crafter je crois 4 items si je dis pas de bêtises. Bon les gars, ça commence à coûter cher. Donc on va crafter seulement 5 ou bien 10, je ne sais plus combien de quantité. Atelier des forgerons. Bon les gars, bien sûr je vais pas revendre les runes, ça sert à rien, puisque je vais l'utiliser pour OP le métier forgeromage. Donc ça sert à rien de les revendre. Après je les rachète. Bon t'as compris. Donc j'espère au moins on OP niveau 100. Donc afficher uniquement les recettes. Voilà. On est niveau 82. Ok. Donc on va crafter celle-là, c'est 10, puisque ça coûte cher hein, les gars. Ça coûte cher, 10. Ok. Donc on est au niveau combien? Niveau 89. On va op 80 90, ça c'est sûr et certain les gars. On va crafter seulement 5 puisque ça coûte cher. Je pense pas que on va op niveau 10. Hein. Enfin, niveau 10. Niveau 100. Il me restait seulement 3 items. Aïe, aïe, aïe. J'espère bien que on op niveau 100, les gars. Ce sera vraiment cool. Ok, 10 ici. Ok. Donc, on est niveau...
à 95 les gars. On va pas OP malheureusement, mais voilà, c'est pas grave. On peut toujours recrafter des items. Je voulais vraiment OP Nevousson. Comme ça c'est fait les gars. Comme ça c'est fait les Nevousson, mais c'est pas grave, franchement c'est pas grave. D'ailleurs j'ai même envie de recrafter des items les gars pour OP Nevousson. Allez, je vais le faire les gars. Je m'en fous. On va juste. J'ai quelques trucs, non. J'ai vraiment OP Nevousson les gars. Donc je vais encore recrafter quelques items les gars. Et on se retrouve juste après. Re les gars, voilà, normalement c'est bon pour les achats. On va crafter les deux items que je viens d'acheter. C'est où? C'est forgeron. Donc on va crafter 10-10 je crois. Deux items, quantité 10-10. Donc je crois que ce sera 20 ou 15. Je suis pas sûr les gars. Peut-être 5 de quantité, je suis pas sûr. On va checker de toute façon. Donc, j'ai payé pas mal de kama les gars. J'ai payé plus d'un million de kama pour faire tout ça. Donc, on va briser 10 items les gars. Donc, j'ai payé combien? J'ai payé 1,2 million. 1,2 million pour faire tout ça. Voilà, on a 20 finalement. Donc j'espère les gars on op niveau son, sinon j'ai super la flemme. Je fais pas les gars les va et vient, sinon tant pis les gars, tant pis. Si on op pas niveau son, c'est tant pis. Ok, ah yes les gars, on est niveau son, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, ça c'est bonus les gars, ça c'est bonus. Ok. Voilà les gars, c'est fait pour le métier forgeron. Donc on est niveau 106. Franchement ça fait vraiment cool, c'est très très bien. Les runes de forge magie, on a 624. J'espère les gars le coffre va être ok pour les runes, sinon j'ai super la flemme les gars. Je ne peux pas aller en banque mettre tout ça. Allez s'il te plaît. Yes les gars, on est boss largement les gars, ça se fait largement, ça fait vraiment plaisir. Allez, on va commencer le brisage les gars directement. Comme je disais les gars, je vais pas revendre les runes, ça sera clairement rien, puisque je vais les réutiliser pour OP le métier forgeomage. C'est très très important les gars, le métier forgeomage, puisque on a les thèmes d'Arc du Dragueuf. C'est franchement c'est juste comme le pain les gars, ça part super bien et très très bien. Donc on n'a pas de rune les gars, on n'a pas de rune sur moi. De toute façon ça sert à rien, ça lag un petit peu les gars, pardonnez moi il y a beaucoup de monde. Donc allez putain, ça lag de ouf hein. Donc on va commencer directement les gars le brisage. Brisé. Bon les gars, on va sûrement OP le métier gratuitement. Vous allez voir, on a dépensé 1,2 million. Et vous allez voir les gars, si on perd des kamas, on va seulement perdre genre 200 000 kamas. Ça si on perd les gars, ça si on perd. Donc ça va être quasiment gratuit les gars. On va commencer par cela. Look. Transférer tout. Bon les gars, je pense on va directement briser. Ce sera, sinon ce sera un petit peu long. Donc on va juste checker. On va pas faire du focus. Donc les gars, l'essentiel, on a dépensé 1,2 million. C'est ça les gars le plus important. Donc de toute façon, on n'est pas là pour faire des kamas. Donc on va pas checker combien j'ai dépensé par item. Sauf si il y aura une bonne co-off, pourquoi pas, sinon on va directement briser. On va commencer par celle-là. On a 80 000 kamas, on a sûrement perdu des kamas, mais on s'en fout. Hein. On s'en fout clairement. Voilà pour le premier item. On va faire celle-là maintenant, dame. O-I, voilà. O-I-S-E, parfait. Parfait, 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 10. Ça donne quoi? Allez. Ça lag de ouf, les gars, regardez. C'est pareil, les gars, on va pas faire du focus, on s'en fout. Oh, peut-être, les gars, on peut faire du focus vitalité.
Mais j'ai besoin, les gars, des runes résistance plus et tout. C'est juste pour spammer les runes pour OP les métiers. Donc on va pas faire du focus. On brise. On a 120 000 kama quand même, les gars. 120 000 kama, franchement. C'est bien. Ok. Ça c'est fait. On va faire maintenant Fantal. J'ai crafté seulement 5, les gars. Ça coûte un petit peu cher. Fantal. C'est pareil, je crois. On va pas faire du focus. Enfin, ça dépend. Non, les gars, pas du focus. On va briser. Oh, pas mal. 220 000 kama. Je crois on n'est pas rentable, les gars. Mais quand même, on va checker. Hein. Ok. Mais quand même, on va checker. Ouh, 23 000, ça coûte cher. Hein. 23 000, 26 000. 26 000. 30 000. Ou 44 000. 48 000. Allez, on va dire 50 000. Donc, on est en perte, les gars. On a perdu 5 000 quand même. Mais franchement, c'est une fusion les runes et tout, ça doit être ok, hein. Ça doit être clairement ok. On a un petit succès, on va l'accepter. Parfait. Donc, on était où? Allez les gars, putain, ça lag de ouf, hein. C'est très très chiant, pardonnez-moi les gars. On va mettre maintenant quoi? Mantiscore, ça doit être super brisé les gars. Ça doit être super brisé. J'ai crafté 10 puisque ça coûte, je crois, pas cher. Hein. Pas de focus. Attendez, on va checker. Non, pas de focus, les gars. Il y a pas mal de runes, surtout le soin, les gars. On n'est pas là pour faire des kamas. Les soins, ça donne 10 de puits. Donc, c'est très, très important. On va les briser directement. On va juste enlever ça. Et ok, on a presque 200 000. 175 000 kama. Franchement, pourquoi pas? Je crois qu'on est rentable. Hein. Si je dis pas de bêtises, on est rentable. Parfait. On passe à marteau. C'est quoi ça? Marteau Netroan. Ok, j'ai crafté seulement 5, les gars. Je crois que ça coûte cher. Hein. C'est pour ça que j'ai crafté seulement 5. On va pas faire du focus, les gars. On s'en fout. On brise. 144. Ok, franchement, ok. Je crois qu'on est en perte, mais c'est pas grave. Franchement, les gars, c'est pas grave. On s'en fout. On va passer maintenant à Kaiser. Ou je ne sais pas quoi. Kaiser. Ok, j'ai crafté 10. On brise. Focus. Non, je crois. Les dommages critiques. Non, les gars, on va pas faire du focus. On brise directement. C'est une technique excellente, les gars, pour OP le métier gratuitement. Franchement, elle est superbe. Donc, 70 000 kamas, on a perdu des kamas. Ça, c'est sûr et certain, les gars. Ça, c'est sûr et certain. Regardez, 29 de co-op. Le marteau est super brisé. Ok. On va commencer directement maintenant par cet item, les gars. J'ai crafté 50. Ça coûte rien. Ça coûte vraiment rien. Voilà, on a 50 ici. Focus, on va pas faire du focus. Hein. On s'en fout clairement. Ça donne quoi déjà les dommages et tout. Bon, pas de focus, les gars. On peut clairement gratter quelques kamas avec le focus, les gars. Mais tant pis, on s'en fout. On brise. On a presque 200 000 kamas, 176 000 kamas. Ok, les gars. Ok, franchement. C'est ok, vraiment les gars, c'est ok. Donc il me restait 2 items ou 3. Il me restait 3 items. Ça, j'ai crafté seulement une, les gars. Ça coûte cher, je crois. Ça coûte 13 000 kama. Ça donne rien. Hein. Heureusement, les gars, j'ai crafté seulement une. Hein. Regardez, ça donne rien. On va pas faire du focus. Voilà, 17 000 kama. Maintenant, on passe, les gars. Il me restait 2 items. Lame. Ok, j'ai crafté 10. Lame. Ok. Focus ou pas. Ça dépend. Non, les gars, je crois pas. On va pas faire du focus. Il n'y a pas de vitalité si je dis pas de bêtises. Hein. Non, pas de vitalité. On brise. 116 000 kama. Ok, les gars. Ok, 116 000 kama. Franchement, pas mal. Pas mal. Vraiment, les gars, pas mal. Maintenant, marteau. J'ai crafté aussi 20.
pulp. Voilà. Enfin, j'ai crafté 10. Hein. J'ai crafté 10. Ça donne quoi ce marteau? Rien du tout, les gars. Seulement les soins, les gars, c'est très très important. Les soins. Donc, pas de focus. Et on va voir. Briser. Ah, c'est mort, les gars. Ça donne rien. Donc, 70 000 kama. Donc, normalement, on est bon, les gars. C'est tout pour le brisage. Donc, on a fait combien de kama? Rune de forge magique. Oh les gars, regardez, on a 1 200 000, donc on n'a rien perdu, putain les gars. On a presque 1 200 000, on peut fusionner les gars. Je crois que je vais le faire, hein. Je crois que je vais fusionner quelques runes les gars, je n'ai besoin. Donc on va fusionner, pardon. Donc les gars, j'ai rien perdu, j'ai OP le métier jusqu'à niveau 106 gratuitement. Putain, gratuitement les gars. Pourtant, on n'avait pas des gros coups, genre vraiment les gars. Attendez les gars, attendez. Je vais faire 200 ici. Allez, je vais faire 250 ici. Pour l'éther, je vais faire 200. Non, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Je vais faire 150. On va faire 150. Il me restait... Ah, il me restait 800 encore. Hein. Il me restait 800 encore. Je vais faire... Allez, 200 encore. Il va me rester 200. Voilà, les gars. Il va me rester 200. Ça, c'est OK. On a fait... Attendez. L'intelligence, c'est OK. Les pachas, j'en ai combien? Je n'ai... 1800, je vais faire genre 400. Il va me rester combien? Il va me rester 600, c'est OK. L'agilité, j'en ai pour 600. Je vais faire 250. Ah non, je vais seulement faire 100 apparemment. Voilà, il me restait 300, c'est OK. L'intelligence, non, c'est OK. Terre, c'est OK. Pour les autres runes, je vais pas faire. On a les sagesse. J'en ai pour 500. Je vais faire 100. Voilà. Ça, c'est fait. Normalement, c'est bon, les gars. Les autres, non, je vais spammer seulement les runes comme ça. Voilà, voilà. On a 1 million. On a même gagné des kamas. On a gagné 30 000 kamas, les gars. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc, une technique, les gars, qui marche depuis des siècles. Cette astuce kama. Enfin, cette astuce kama. Cette astuce pour OP limité. Donc, voilà. J'ai rien dépensé, les gars. J'ai rien dépensé. Donc, voilà, voilà. Voilà, les gars. La prochaine fois, les gars. Je pense les gars, je vais OP le métier. C'est quoi les gars? C'est quoi déjà? Forgement les gars, hors caméra. Je vais acheter les items directement en HDV. Je spam quelques runes. Après les items les gars, je vais pas les briser. Je vais les remettre en HDV. Ça part les gars, croyez-moi que ça part. Il y a des gens comme moi qui ont super la femme. Il va acheter directement en HDV. Donc, il va acheter directement les items en HDV pour OP. Pour OP le métier, les gars. Donc, voilà, voilà, les gars, pour la vidéo. N'hésitez surtout pas à abonner sur la chaîne pour d'autres astuces, les gars. Astuces comme ou bien astuces métier. Donc, voilà, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine.